c'est Tardarin, je suis toujours en compagnie de ma bande de Chakri Lashkar. Et la dernière fois, on s'était fait gentiment massacrer la tête par la reine des Gisionki. Parce qu'elle avait pas trop apprécié qu'on essaye de faire une petite intrusion mentale. Donc là, on va essayer de rétablir les choses. Tu remarques que j'ai fait le coucou avec le coucou dans le. On va finasser. T'as vu comme c'était beau? Ouais, ouais le... j'aimerais bien qu'on réussisse à lire ses pensées quand même pour savoir si elle nous traquenarde ou pas. Oh, d'office, on va essayer. Ah, bah, ouais, elle essaie de nous guet-apenter. Ah, bah, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Qu'est-ce qu'on lui dit? Bah, la réponse 3, on avait donné la réponse 3 tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Ouais, la 3. On va en faire. La réponse D. La réponse D. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. You know nothing, Jon Snow. The astral prison. It is corrupted. There is someone inside. Their mind is warped, broken, a blight. They are an agent of the Grand Design, sent to sabotage the Astral Prison. Our last defense against the return of the Illithid Empire. As long as they live, the prison is compromised. Find the one inside and kill him. Be aware. They are not alone, and they will appeal to your trust. They are not to be believed. You must accept. Refuse. Ce qui est marrant, c'est qu'elle pourrait juste en fait nous buter, récupérer l'artefact et le filer à notre vis. Mais bon, je dis bah ça. Oui, c'est ça. Ce sera tellement simple. Ouais. Allez, bah, on retente. La logique, tu sais. Il y a des méchants, t'inquiète, je suis la gentille alors qu'elle vient de. Ah, mais c'est vrai, je suis toujours en déchiquetage psychique. Et après, on pourrait pas qu'il. Ah, ouais, on peut pas quitter le dialogue pour essayer de. Mais je ne vois pas le lancer de dé, malheureusement. Bah, on va mourir. Ouais, non plus. Encore. Ah bah, allez, bisous. T'as encore fail? Non, oui, mais je suis. Ah bah, allez, let's go. L'espèce de bâtard. Non, non, ça va aller. Eh, hey, l'envers. Allez, hop. On peut discuter, hein. Ah, bah, non, mais on va y arriver, c'est. Oui, oui, on va réussir. Ah, irascible, hein, la madame. Ouais. On peut pas discuter. On peut pas discuter. Mais ça se trouve, si on réussit à lire dans ses pensées, elle s'en rend compte et elle nous bute de la même façon. Ah, on verra, mais au moins on verra ce qu'elle pense. Ouais. La pensée, c'est accepte parce que sinon je suis dans la merde, il me reste juste un sort et je dois faire un long rest. Ah, mais tout ça, parce que je suis en déchiquetage psychique, on aurait attendu un tout petit peu, ça aurait été, mais voilà. Allez. Coucou. Ça fait toujours rire. Allez, blablabla. Voilà, c'est à moi. Blablabla. Détection des pensées. Allez, do it. C'est bon. T'as la question ici, hein. Vous ne pouvez pas tuer vos mêmes entités, les dieux. Ouais, mais je pense que ça, elle te bute après. C'est possible. Non, c'est, elle te bute après, c'est la. La volonté sera faite et on le fait pas. Non, mais la 4, je l'aime trop, hein. Je bosse pas pour des tirs en élu. Enfin, je dis ça. On tente là. Ouais, du coup, faut que tu mettes la 3 comme ça au moins. Les... Ouais, c'est ça, elle va pour la 3. Not
Ouais, bah d'ailleurs, je vais te le montrer que je peux le faire. C'est vachement tentant. Ouais, on connaît ça. Je crois que c'était pas la bonne. Là, on peut vraiment pas discuter, quoi. Ah ouais, mais ce que je dis, hein, vraiment, c'est... Alors, ça, certes, ouais, ils sont tout puissants, mais le sens de l'humour, ils connaissent pas, hein. Ah ouais, non, ça... Mais c'était pour déconner. C'était pour déconner, enfin... Enfin... Allez, bon... hop, on va prendre le 1, je crois. En fait, ouais, c'est vraiment un... c'est ultra direct, c'est ultra dirigiste, quoi. Tu n'as pas le choix que d'accepter. Bah, tu peux dire oui, mais de là ce que tu le fasses. Attends, hop, j'ai exploré ça. Parfait. Je veux dire qu'on va devoir encore affronter encore plus de Geats. Mais c'est excellent. Allez. On avait fini de piller tout le monde là ou pas? Non, on avait même pas. On a pas looté les cadavres. Sérieusement, on a looté personne. Non mais non, on a pas eu le temps encore. On a pas eu le temps directement, ça a sonné. Après le stream, je suis allé voir. Qu'est-ce que j'ai récupéré sur l'autre gars? Je suis allé voir pour l'arme. Sommeil angélique, épée à deux mains, guichet en kilimou, bof. Bâton de bénédiction arcanique, ah, c'est pas si fou que ça. Bandeau de vengeance psionique. Vous réussissez un jet de sauvegarde, l'adversaire qui vous l'a fait jouer subit 1 à 4 points de dégâts psychiques. Et les guichets ensuite gagnent également un bonus de plus 1 au jet de sauvegarde d'intelligence, de sagesse ou de charisme. Oh. Dans la brouette de cadavre, je peux parler à l'un d'eux. Oui, il y en a un qui... Bah, il faut peut-être faire un... se changer. Oui, hein. Parce que sinon, il risque de mal le prendre, quoi. Ouais, c'est ça. Imagine, ouais. Alors... Hop. Ah, pardon, il y a un bouquin, là, derrière. Il y a un bouquin, j'arrive. Là où tu... Alors, il est où, le truc pour sauter? Oh, un élixir de géant... force de géant des collines. Ah oui. Oh, merde. Alors, du coup, le bouquin, t'avais dit qu'il était où? Ah oui, je l'ai vu, livre confisqué. Je vais retirer ça. Tu me dis quand tu lui causes. Hein. Ouais, là, c'est juste que Speed Quiz Dead, je l'ai pas avec moi. Let's go, c'est parti. Ah, je suis couette. Alors, qu'est-ce que vous dites? Ouais, je suis choupette, hein. Elle est mignonne. Attends, qui êtes-vous censé déjà? Ah, ça. Ouais, hein, ça me semble prometteur. Mais ils sont même pas d'accord entre eux. Ben non. Que vous étiez arrivé. Ah bah, super. Ah oui. Qui est l'absolu? Bon, il va pas. Je sais pas s'il va savoir. Allez. Oh, ouais, j'ai le choix, Kitionki. Ouais, j'avoue. Pop, pop, pop. Oh là là, ça c'est du. It has already begun. Ta-ta-tan. Et quel était ce secret? Ou que faisiez-vous ici? Ah bah super. Ça, il est mauvais quoi. Billy, il est mauvais. Je crois que je vais rester en Kitionki, je me trouve mignon. Allez, let's go. J'ai des gants pour toi. Et quoi? J'ai des gants pour toi. Ah. Bah... Ouais. J'en sais rien, mais il y a que toi qui fais des dommages d'éclair à être. Alors là, je t'envoie un collier, tu regarderas.
Ah, c'est pas mal, mais il faut que je lui foute 5 fois des dégâts de Thunder dans la tronche, donc ça veut dire 5 tours pour pouvoir le faire potentiellement tomber prone. C'est long. À la fin, t'as Call Lightning, effectivement, c'est bien. Après, c'est 5 fois, c'est 5 tours ou c'est. Non, c'est 5 applications de dommages d'éclair de Thunder. Quand l'entité a pris 5 ou plus tours de réverbération, il prend 1 AD, 1 à 4. Tours, hein, c'est Shark de réverbération. C'était charge, du coup charge, c'est dès que tu fais des dommages du coup de charge. Écrit Turns of Reverberation. Et surtout que je vois pas là, tu dis que ça me fait une. Ça me donne pas un slot gratuit de. Ah, mais j'ai pas dit que ça donnait un slot. Hein. Créature. Ouais. Il y a des gens, ils sont déjà allés choper tous les coffres qui étaient dans la petite salle en bas. Hein. Ah bah j'y suis pas allé. Tiens, ouais. Qui c'est qui est fort en religion? Toi, t'es fort en religion. Oui, c'est weird qui est fort en religion. Mais attendez, je me guide en cela. Non, c'est bon, t'as réussi. Oui, mais ce que je disais par rapport à cet endroit-là, trouver en fait, le sang de l'attendre. Je savais plus où était la masse cérémonielle du début. Et c'est juste que, on est passé par l'endroit, mais on n'a pas dû bien regarder l'endroit dans lequel c'était. Et on n'a pas récupéré la masse. Mais faut aller la récupérer parce que là derrière il y a un objet ultra pété qui peut aller jusqu'à la fin du jeu. Donc, derrière les trois trucs là. Oui. Attends, parce qu'il y a une des deux salles du joint qui voilà. Paf. Ah bah oui, du coup. Attends. Alors par contre, je me souviens plus dans quel sens ça va. Bah ici, celui-là c'est soleil levant. Ah attends, c'est l'élevant. Non, tu le remets dans l'autre sens. Ils doivent se faire dos. Parce que du coup, si tu regardes la carte, lui il ira vers l'ouest et lui vers l'est. Hein? Le soleil se lève où? À l'ouest. Ça va mourir. Non. Non mais c'est féru, c'est pas la même chose. C'est comme ça, non? The thunder blesses the rising boundless. The thunder bids the setting sun a fond farewell. À mon avis, il y a peut-être un truc qu'on a manqué. Mais non, mais là, ils pointent au nord et au sud. Quoi? Ouest et est? Non, ouest et est. Ah non, là, ils pointent à l'est. Ah putain, oui. Ah bah super. Hein. Allez, allez, voilà. Oui, donc, on a tout fouillé avant. Moi je vous proposerais d'aller chercher les héros. La porte, il nous faut la masse paf. Ah bah si on n'a pas la masse paf, ça va être. Va falloir être souple sur les appuis. Bon bah cherchons la masse paf alors. Ou soyons souples sur les appuis. On ferait pas d'abord le truc du centre ou on le fait après? Moi j'ai pas cliqué dessus. Hein. On a tout vidé là ici. Ouais. Ah bah il y avait des plans là sur la carte mais. Ici, là. J'ai plein de trucs sur moi, je sais pas ce que c'est. Moi non plus. Il se peut que j'ai refourgué un peu du bordel à certaines personnes. C'est des bons gardiens. Oh, c'est gentil, j'adore les livres. Tous les coffres ont été. Normalement, regardez vos inventaires. Quand je trouvais des objets qui étaient pas pour moi, je vous les filais. Donc, je les filais à lui à qui je supposais que c'était. Eh ben, c'est pas. Peut-être que vous avez gagné. Alors l'amulette de Misty Step, moi je dois dire que je suis chaud. Je suis même ultra chaud. Ok, bon donc, on sort de la zone. Putain, c'est quoi ce bordel? On veut pouvoir se TP, j'imagine. C'est moi ou quand Arda t'a dit que t'as fait plein de merde à quelqu'un, c'était pour ma gueule? Non, j'en ai filé vraiment à tout le monde. Oh putain. Est-ce que je peux te piquer l'amulette de Misty Step, Mathilien? Oui. Ah, vas-y. J'ai une quantité de potions, c'est un enfer. De toute façon, là j'ai l'autre. Et le shatter, c'est quand même pas mal. Mais c'est une fois par long rest, je crois. Ouais, du coup, non, on fait quoi? Non, short rest. C'est un short rest, je crois, celle-là. Attends, je check. Bon, après, de toute façon, au pire, si j'ai vraiment. Mais est-ce qu'on va dans le truc projecteur interplanaire ou pas? Non, faut revenir en arrière pour aller voir la. Ok. Ouais, si on veut. Après, ce que je dis, on peut essayer, mais il y a deux façons de récupérer l'objet de Sifu. Il y a une version comme il faut faire, et la version de pas comme il faut faire, qui est un peu plus. Sportive. Un peu plus. On va charger et recharger, c'est ça? Il risque d'y avoir des contusions un petit peu. Oh, je
si ce n'est que ça, ça va. On a l'habitude. Ouais, mais c'est même souffrir de décès, quoi. Il est mort pour cause de décès. Ah oui. J'adore cette expression, putain. Je crois que c'est dans un film. Ah, on l'avait pas vidé. Qui on avait pas vidé? Titre. Mais voilà. Un mob qui était là. Ah, ça y est. Non, attendez, je vais aller chercher la masse. Je fais tout le tout de Kiki et je me rejoins. Elle est où? Il y avait des bâtons là-dedans. Je vais me TP à Rosimor de Monastérie. Parce que là où on était à côté d'un TP. Écoute, c'est quoi, je centre ma carte sur toi et t'iras et je te suis. Enfin, je te vois. Enfin, je t'observe. Il y a encore des gens là-bas. Oui, mais attends, une minute. T'inquiète. C'était dans le truc des gnolls, je sais pas. Normalement, les aspirateurs à loot fous auraient été censés le. C'est pas des gnolls, c'est des kobolds. Ouais, c'est pareil. Ça se trouve, on a écroulé un truc dessus, on le trouvera jamais. On se les faire. Petit portrait de Vlakis. Et on peut faire un truc avec. Moi aussi, je peux faire un truc avec. C'est dans les toilettes que ça se passe. Hey, je connais cette référence. Ah oui, il y a un gobelin, il y a un kobold. Hein? Bon, il ira lui. Quoi? Ah, un kobold. Voilà! La masse! Ouais, les gars, vous avez looté, mais comme des. Bon, C'était votre côté à looter, vous l'avez pas fait, vous êtes nul, c'est vous. C'était un des. J'ai gagné 115 d'XP. Qui a volé un œuf? J'ai ouvert une porte. Oh merde! Ah, mais c'est le. Attends, il y a quelqu'un qui est en train de discuter là, j'aime pas ça. Il discute avec qui? Non mais il est en train de parler à un tableau. Ah, ça va. Un tableau, ça y est, il a pété les plombs. Bon, moi j'ai ouvert une porte. Allez-y, hein, si non, 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 c'est une mauvaise idée. Il a dit qu'il arrêtait de faire des trucs pour tous nous tuer non-stop. Donc j'ai ouvert une porte. Vous savez quoi, je vais attendre que quelqu'un vienne me filer une inspiration. Bon bah, ouais, on peut pas regarder ton moment, c'est chiant. Ah bon? Bah ouais. Si, moi je peux regarder. Ah mais c'est parce que je dois être en combat, c'est pour ça. Ah putain. Attends, en combat? Mais je savais exactement qu'il avait dit j'ai ouvert une porte et il a encore tous nous buter. J'ai dit j'ai ouvert une porte. On a dit arrête, ne t'approche plus, des tonneaux, ne t'approche plus, de pickpocketer les gens, arrête. Attends, arrête de jouer. Honnêtement. Fais un PNJ. Non mais après ils sont 3 en vrai, ils sont 0. Tu fais un PNJ. Oui, non, oui en fait, est-ce que tu peux me rejoindre? Où tu es? Je peux pas sortir du GLD en fait. Je suis devant le tableau d'un Kisianki et j'ai besoin d'une petite inspiration. Attends, là j'ai des squelettes. Ah, j'ai Pelle. La Pelle, normalement, elle doit pas être loin de moi. Ouais, c'est bon, j'ai vu Pelle, faut que j'arrive. Oh là. J'aime bien ça, ça se bastonne. Quoi? Hop là! Cool, je la vois pas. Bah essaye, on va voir si c'est faisable. Mais... C'est un échec. Quoi? Non, je crois que j'ai un 21 sur 21. Non, j'ai vu succès. Hein? Ouais, réussite. You recall stories of a prince riding a comet just like this one. With sudden clarity, you realize it's the symbol of Orpheus. Oh, Orpheus, il y a un livre confisqué qui a dit que tous ceux qui parlaient d'Orpheus, ils étaient brûlés vifs. Ouais. C'est qui Orpheus? C'est un, je sais pas, mais si t'en parles, t'es brûlé vif. This Githyanki looks different from the others you've seen here. The way her stark white skin stretches over her sharp features gives her a distinctly otherworldly aspect. T'as pas l'Adex, je cherche pas. Je reviens dans 30 secondes. Je reviens dans 30 secondes. Là, si tu viens par là, il y a des gens qui tabassent là. Ils sont 3. Et ils ont t'es où 3 PV de vie. Oh, ils sont 41 PV, ça va. Ça oui, va. Oui, ah non, mais ils sont 0. Hein. Mais ils sont 3. Et toi, mais t'es seul. C'est bon, voilà. J'ai fini ma pitance, donc je suis pleinement opérationnel. Ah. Alors tu peux aller tataner des gueules. Ah, oh, oh. Je suis pas du tout prêt, c'est ça qui est génial.
je suis rentré en combat parce que ils t'ont vu. Et pendant ce temps-là, Katov. Ah, mais, moi je suis déjà en combat depuis tout à l'heure. Oui, oui, non, mais là je viens d'entrer en combat alors je suis genre loin. Mais je sais même pourquoi je suis en attente. C'est pour ça qu'il faut y aller discrètement. Ah, si seulement j'avais mis la lunette de DP. Ma counter spell, l'enculé. Putain de merde. Ah, tu vas même pas pouvoir faire 40 tours en une, seule. 40 tours, peut-être pas non. 40 actions, 40 actions. Un damage. Je crois pas. Waouh! Mais d'où? Mais d'où je reçois le combat? Mais d'où je reçois le combat? En même temps, il s'est tapé devant toi. C'est-à-dire que bon. Non, mais c'était moi là qui s'est tapé devant ma gueule. Bon, tiens. Je t'ai empêché de te faire désarmer, tu dis remercier. Ah, j'apprécie avoir. Parce que je l'ai insulté à mort. Attends, je crois pas le gars il a. Ah, d'accord. Non, mais calmons-nous par contre. Dixit, la Gatling de coup. Hein, le mec qui ouvre des portes et qui rentre en combat. C'est vrai. Le mec qui dépasse des druides et qui cause une apocalypse entre des druides et des tieflings. Le mec qui approche trop vite et qui fait tout exploser avec un putain de tonneau. Et j'ai l'impression que la liste va s'allonger. Il y a les moyens de discuter, puis il arrive. Excuse-moi, le Ah non, non, honnêtement, il y avait. Hey. Il a OS 50 PV en un tour, qu'est-ce que tu veux faire? C'est bon. Non mais en même temps ça va, j'ai balancé un peu là. Un spell. Après là on a... Et le pire c'est qu'il continue hein. C'est ça. C'était pas fini. Il a fait une centaine de dégâts en un tour. Ah, heureusement, enfin genre... Oui alors donc... À quoi je sers? Ah bah c'est voilà. Ah, voilà. Ah, ça s'appelle une punition. C'est un canon de glace, le gars, quoi. Et pourquoi moi? C'est vrai que je suis juste là. Bonjour, enchanté. C'est vrai que t'es quand même vachement grand. Le gars, il va louper plus de bière et il va te tirer dessus. T'sais, il me nie la gueule, quoi. Ah, mais il c'est pareil, il en a rien à foutre de toi. Ça, il l'a pas vu, hein. Il m'a nié, quoi. Salaud. Oh non. Pas comme ça. Ah, mais oui, j'ai ça. Je finis le. Ouais, vas-y, finis-le. Je peux pas, il est trop loin. Ah bon? Parce que là, j'ai fait un. J'ai dû courir pour aller jusqu'à lui. Il m'a counter le FDP. C'est vrai? Il m'a counter mon heal level 1. Bon, bah si ça lui fait plaisir. Mais je sais pas si je bute le mec ou si j'essaie de soigner notre cher ami. C'est déjà fait. C'est bon, fait. J'ai un PV. Bon, oh, allez, ah, action suivante. Paf! Ah. Ah, et du coup, est-ce que t'as vérifié que t'avais bien. Tu pouvais faire l'action charge plus Channel Divinity? Alors, le Channel Divinity, là j'ai tout consommé. Vu que j'en avais un. Oui, non, c'est bon. Parce que j'avais fait le Channel Divinity sur le fight d'avant. Mais c'est juste que ce qui est tricky, je crois que l'action charge ça n'apparaît que quand on est en combat. Donc c'est pour ça que c'était grisé, pas parce que j'en avais pas, c'est parce que on n'était pas en combat. J'ai hâte d'avoir les gants qui arrêtent de me faire stun toutes les 30 secondes. Ils servent à quoi? Tu essaies de plus stun? Ouais, parce que l'arme que je porte, en gros, si je suis pas un construct, j'ai une chance de me stun la gueule en l'utilisant. Et les gants permettent de me faire passer pour un construct. Stylé. Bon, la bonne nouvelle, c'est tout ce qui est vert, c'est que de l'acide. Oui, tu prends des dégâts, je crois. Mais pas. Tac, pourquoi tu l'as sauvé? Ça sert à rien, hein, économise des sorts. Ah non, mais ça c'est pas un, ça me coûte rien ça. Alors, oula. Nous sommes au couvoir, donc doit y avoir des œufs ici. Ah, nous avons des bottes acidic surface don't affect you. And you are resistant to acid damage. C'est ton accent anglais m'a un peu fait vomir.
Une nouvelle couverture arrivera très prochainement, si vous espérez encore une... Étant parfaitement bilingue, bon, je l'ai filé à qui? Bah tiens, à notre coureur fou qui met des patates à tout le monde. Paf. Il y a un œuf qu'il considère comme pas digne, parce que le guide qui est dedans n'arrive pas à casser lui-même sa coquille. Du coup, il est pas digne. Alors... T'es où? T'es là. Il y a un piège. Bah oui, c'est parce que ça a des... Oui, ok. Logique. Ah, attends, si tu veux, j'ai peut-être un sort pour soigner plus puissamment. Non, mais cache pas tes sorts. Il y a un éclaireur kobold qui est dans une cage. Je reste à côté de toi et je... On a deux shortrests, au pire on fait un shortrest, ça peut être à moi... De toute façon, les gars, vous inquiétez pas, il faut qu'on fasse un long rest dans tous les cas, vu que... Faites gaffe qu'il y a des mines répulsives à des endroits. Alors moi j'ai encore 3 sorts de level 2. Et t'as déjà consommé tes arcade recovery? Allô? Ok, qui? Ah, je parlais Hard. Non, j'ai pas. J'en ai consommé quelques-unes. J'ai trouvé un œuf de Git Yankee, mais il faut un truc pour traverser l'acide. Mais j'ai des bottes. Attends, je fais le bon. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si seulement on avait des bottes. This place is trapped. Tiens, c'est... Pourquoi investigation? Mais pourquoi je l'entends pas? C'est à moi? Ah voilà, là je t'entends mieux. Je parlais pas fort. Ouais. Ah. Je ne parlais pas. Ouais. Bon. Ah, on a un petit papier sur le banc si jamais. J'ai déjà lu. Je peux pas sauter pour aller retrouver l'œuf. Je peux pas sauter. Putain, c'est... Et c'est pas un œuf du Gitanki, c'est un truc de Zerg. Hein. Attends, tiens, je te prête la mulette du Misty Step. Ah oui, mais je pourrais. Oui, oula, mais c'est dégueulasse. C'est un truc de Zerg. Tu vas avoir Bedlink qui va sortir là. Ouais, c'est ça quoi. Rush Zergling. Tendre la main et toucher l'œuf. Et c'est là que c'est. Y'a que les bottes qui donnent résistance à l'acide. Ah, mon genou. Ah. Ah, ça serait. Oula, oh. Mais vous faites des billards de jet là, qu'est-ce qui se passe? J'sais mais pas, c'est mais... pas l'œuf qu'on doit. Bah, si. Bon, je passe mon chemin. Je peux le prendre, je suppose. Ça va être, ah mais il y a des fosses de gaz à la place, attends, du coup je dois le prendre et puis me barrer très vite. C'est quoi qui partait en bleu juste à côté de toi? Bleu violet. Il y a un caillou en forme de cœur. Oui, ça on a vu. Oui mais je veux le ramasser moi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée mais je vais le tenter. Hop là. Ouais, je m'en fous. Oh là. What? Ah bah j'ai pris une clé. Wow. Attends, pourquoi je me suis fait TP? Et pourquoi tu marches dans l'acide comme un... Ah mais... Parce que les pièges, en fait, ils TP dans les prisons. Par contre, t'es dans l'acide là. Mais est-ce que... Il y a des coffres. Et pourquoi est-ce que je peux pas le prendre? J'ai l'impression qu'il y aurait quelque chose... Par là. Ouais, c'est pour ça que je... Mais ramasse ton putain d'œuf, c'est quand même pas compliqué de tendre la main et de ramasser. Je me suis dit... Oui, j'ai dit, faites gaffe, il y a des mines répulsives un peu partout. Ah, ouais. Hop là, c'est... Et moi, mon personnage a eu la bonne idée de se déplacer tout seul comme un groupe. Oui, mais c'est pour ça, en gros, je me faisais TP, mais ça faisait bouger la caméra dans un autre sens, donc je perdais complètement l'endroit où était mon perso. Hein? Donc c'est bon. Eh, mais arrêtez de me voler des trucs, là. Pourquoi j'ai une clé, moi? C'est une clé qui... Je sais pas, les espèces de trucs violets que tu vois un peu partout, c'est si tu marches dedans, tu te fais TP en prison. Oui. C'est un peu la case prison, la case prison de Monopoly. J'ai pas 20 000 francs. En fait, tu touches pas 20 000 francs, tu passes par la case prison. Alors, mon perso, il doit être aveugle, hein, parce que il voit pas les vies. Mais pourquoi est-ce que je peux pas ramasser un putain d'œuf? Il est où? Non, mais tu te fous de moi. Mais quoi? Ah, normalement en perception je suis pas une tanche et là je loupe tous mes jets. Après si c'est à cause de tes bottes cachées, hein. Comment ça à cause de mes bottes? Qu'est-ce qu'elles sont les bottes? Mais non mais je dis ça pour déconner. Ah d'accord, parce que j'étais là, bah elles sont très bien. Ah peut-être que je peux le déplacer par ici. Oh
Et oui, je peux marcher dessus sans me faire projeter normalement. Yes, c'est bon, c'est bon. Allez, fallait on se casse. Bouger. Fallait le bouger de là et puis le récupérer. Parce que... Allez, tchao les bolos. Alors, il y a une deuxième porte. Est-ce que vous voulez que je l'ouvre ou est-ce que vous voulez que je vous attende? Est-ce que tu veux pas qu'on fasse un short rest? Est-ce que tu veux qu'on attende que Atemir se fasse le con? Vu la gueule des PV, est-ce qu'on ferait? Non, bref. Mais attendez, quand même. Quoi? J'ai juste ouvert une porte. Mais t'as juste ouvert une porte, juste dépassé. Allez, des gens, t'as juste touché un tonneau. On se retrouve devant le porte-arrêt, on se fait un petit short rest. Et du coup, vu que je pouvais pas suivre la conversation, il racontait quoi le porte-arrêt? Oh, ouais. Rien, c'est une histoire. C'est juste un gars. C'est pas un commandant. Quelqu'un veut récupérer les bottes pour l'acide? Non, non. Bon, je vais les garder là. Putain, mais ouais, j'ai trop de merde dans l'inventaire. Putain, et heureusement que j'ai la force qui est montée à 19, hein, sinon je suis incapable de porter tout ça. Hop, short rest. Ça fait du bien. Je me sens bien. Bon, est-ce que le tank veut bien ouvrir la porte? Oui. Et c'est Katox qui passe, le bar des tanks maintenant. Je savais pas que le short rest, tu regagnais pas. Ah bah, bonjour. Voilà pourquoi je me suis mis en fufu. Nombreux. Ah, ça va être donc beaucoup plus drôle. Ils sont combien? Ah bah là tu vas pouvoir faire des petites AO normalement. Ouais, mais... Et sinon ce qu'on peut faire c'est ne pas rentrer dans la pièce, attendre qu'ils viennent à nous et moi je mets une bonne grosse nuée de dagues devant la porte et on se recule genre, tu vois, un truc genre là. Oh non, mais je voulais... Ah non, vous savez qu'ils vont Misty Step comme des gros bâtards. Ouais. Donc j'ai envie de leur mettre un petit chat. Bah, de toute façon ils sont trop loin donc moi je vais rester là, je peux pas passer à cause de lumière. Laisse-moi voir, ils sont combien? Mais je ne comprends pas du tout ce que... Dans le temps d'ordre, non mais tu peux me sauter ah, par-dessus. Ah oui, 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 oui. Oui mais s'ils veulent mettre des AO... Il est Warda. Pourquoi... Attends, il y a peut-être moyen que je casse une boule de feu avec un parchemin. Je vais rester là où je suis, c'est bien. Ah, donc je rentre pas? Non. Bah, d'accord. Tu fais ce que tu alors, veux, ils voulaient faire des AOE alors pour une fois. Moi je veux bien mais... Attends mais vous êtes tous en randonnion donc là moi je peux pas passer. Mais bouge pas, attends, mais regarde, je vais commencer par faire ça. Je regarde ce que tu fais. Pourquoi piercing je fais? Mais pourquoi est-ce qu'il veut pas? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je lance mon sort. Hein. Allez, let's go. C'est marrant, il y a moins d'ennemis tout d'un coup. Ouais hein. Je peux rentrer faire la bagarre ou je dois rester là? La bagarre. La bagarre. Ah mais c'est vrai qu'Arda t'es vraiment le dernier quoi. Bah ouais. Oh. Oh. Ouais. Est-ce que ça peut marcher ça? C'est quoi Morning Lord Radiance? Pourquoi on a ce buff? Putain, on a encore buté des gosses quoi. C'est parce que justement j'ai récupéré la masse et que ça a débloqué un buff. Mais ce buff il reste au long rest et on peut le refresh à chaque fois. Mais elle est où cette masse? Elle est sur toi là? Baf! Hein? Elle est sur toi? Je la vois pas. Non, j'ai récupéré l'objet pour pouvoir récupérer le super truc ultérieurement. Voilà, je vous cache. J'essaie de chercher. Bah, tu verras, quand on le récupérera, c'est une arme. Je viens de comprendre un truc. Du coup, là, ton arme, qui est utilisable que par les Kitianki, sachant que t'étais transformé et que t'avais le truc en discussion Kitianki, elle devrait marcher. Oh. Jusque là la logique se tient. Oh. Bon après ça fait un dégât, un plus un D4. Ouais bah au ouais, prochain fight je vais essayer. T'as une action plus là t'as le Soulbreaker qui fait 12-25 qui peut stun des gens. Ah oui. Bah là avec la hache, non, l'arme à deux mains, je fais autant de dégâts qu'avec ma... Je fais bouger mon armée là. Ouais, c'est pour ça quand il aura fini de... Mais... Ce qui est bien, c'est qu'on a ouvert la porte, ils étaient 7, j'ai pas joué, ils sont 3. Eh, Arda, pour une fois, c'est pas de ma faute. J'ai rien fait. Et encore, c'est parce que mon... Ah, la baraque, ouais, regardez-le. Livraison à domicile. Burning 1 dans 3 targets, mais c'est bon, ouais. Ah, délivrant. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais pourquoi moi? Not on my watch, il a dit. Oh bah là. Fini le caster qui a 13 PV là. Oh, il y en a un à 4.
Ah mais elle est déjà là, elle, bon. C'est qui, elle? Bah, première guérisseuse de la crèche Ilek. Ouais, Tiens, prends sa fille, là. Edward, il reste un mob. Non, il en reste deux. Il reste deux. Il a plus de PV. Non, mais la guérisseuse, à mon avis, je pourrais me le faire entre moi et mes trois squelettes. Bah, après, je pense normalement le gars qui est à côté de nous, je l'OS. C'est-à-dire que je vais servir à rien. Mais non, mais non. Tu joues avant, donc là, tu tapes qui tu veux. Fais une boule de feu. Alors, non. Tout ce que tu veux, quasiment. Il va encore faire une minute projectile, il va lui gatlinguer la tête. Ça sent le projectile multiple là, tu vois. Ah, oh. C'est vraiment pas cool ça. Comment elle t'a counter spell? Putain, on va rêver sur des mobs qui vont commencer le counter spell en chaîne, ça va être super chiant. Priorité à droite ou je lui tape dessus? Allez! Parce qu'en plus, je voulais lui mettre un sort de niveau 4, tu vois. Ah, c'est vrai que t'as pas de distance de déplacement. Bah, il est ce bourre. Mais elle est passée. Pourquoi elle est morte? Parce que les archers ils ont tiré. Ah. Mais j'ai une armée avec moi, rappelle-toi. Comment t'as tout douté comme un sac, j'étais en train de lire. Do you foutage ma gueule? Pour une fois que c'est pas moi. Non, mais ça c'est un anneau pour Hard, pardon. Bah oui, c'est ça, mais j'étais en train de lire, je voulais savoir ce qu'il faisait, il y avait plein de. Alors. Quand vous êtes en train d'infliger des dégâts d'acide, de feu, de froid ou d'éclair ou de tonnerre, en utilisant un sort ou un cantrip, cet élément infuse l'arme. Ah ouais, non, en fait c'est plutôt. Contre nous. Bah ouais. Jusqu'à la fin du prochain tour, vous faites un D4 de dommages supplémentaires de l'élément. Attends, moi j'ai quoi? Bah, ok. Bah attends, tiens, pif, je te file l'anneau et j'arrive. Bah en fait, c'est pas la peine parce que moi j'ai pas de sort donc ça marchera pas. Mais non, mais tu fais des dégâts de feu. Ouais, mais mes spells ils comptent pas comme des sorts. Je mets des sur qui? Sur moi, c'est pour que je lockpick un coffre. Enfin attends, je vais regarder si c'est bien. Alors j'ai testé ton idée là. J'ai fait 33. Bah, comment ça on se bat? C'est quoi ce? C'est qui? Ah, c'est encore un chat pourri là, c'est un chat allergique. Grimchkiké. Voilà, ah bon d'accord, c'était un chat allergique. C'était... Ah mais 40 points d'XP le chat allergique, hein, merci. Ouais, il a oui. Putain, le coffre, quoi. Les cadavres qui sont là, faut les vider. Faut les vider. Pourquoi je suis lourd? Eh les gars, arrêtez de me filer toutes les merdes qui passent. Il a remarqué. Bah, d'un coup, tu vois, j'avançais d'un pas assuré et après, j'avais l'impression d'être devenu un veau. C'est d'un coup d'un seul. Attends, il y a des gens encore, je sais pas où là. J'ai une armure pour mage résistance au froid. Ouais, mais là j'ai. Ah non, bénéficie d'un bonus de 1 au DD du jeu de sauvegarde contre vos sorts. Ouais, non, ça me tombe. Bah attends, je te file la robe si j'avais un de ces 4 200 l'envie. La réflexion avec mon personnage un peu raciste, les Gitianki qui dorment dans des lits, comme c'est convenu. Bonjour. Ouais, la robe, si tu veux, je te la file, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup moins bien que la tienne. Je suis monsieur raciste. Enchanté. Ouais, dans tout le truc. Ils sont bien tes ados ou pas? Ouais, il y en a un qui fait des dégâts d'acide. J'ai un truc, vu que t'es changé là, j'ai un anneau qui fait que tant que t'es changé. Tu fais un D4 en plus à tous les jets. Ouais, mais oh, elle jets, est pas mal la pièce qui est là. Je sais pas si ça comprend les jets d'attaque. C'est quoi un Zezisk? C'est quoi un Zezisk? Tu penses? Ouh. Oh, il y en a même plusieurs là-bas. Il y a un pari. Les deux premières fois c'était suffisant, pas besoin de répéter, cocotte. There the parasite nearby. Ouais, je crois, ouais. Eh, au fait, t'as vu qu'il y a un parasite. You shoot take a look. Il y a un parasite, eh. C'est assez fou. Bon, alors, là, il y a des bouquins partout à lire. Bah, quoi ça sert le Zesisk? Mage, clique sur le Zesisk. Le Zesisk. Sur le quoi? Le Zesisk.
C'est quoi le Zeissisk? C'est le truc qui est emplumé de la pièce, elle va pas me dire que ah, tu l'as pas vu. Ah, le Zeissisk, et faut que ce soit moi qui clique dessus? Bah c'est toi ouais, le mage, c'est toi qui connais des trucs. Ça a l'air d'être un truc intelligent, c'est clairement c'est pas tout quoi. Laisse-moi m'éloigner, comme ça au moins si ça explose, il y aura pas de problème. Sauvegarde. Bonne idée. Je sauvegarde, et surtout, je ferme la porte. Et je mets la clé sous le tapis. Je mets la clé sous le tapis. Ah non, non, c'est ça. Je ferme la trappe et je remets le tapis dessus. No. Do it. Vous allongez dans l'appareil. Do it. Allez. Là, ouais, on va voir un... ouais, cool, va voir un... Goronga. Allez, vas-y. Allez. Sur un malentendu, il prend deux niveaux. Hein. Ouais, et sur un malentendu, il devient un illicite. Your body grows cold. Its warmth sapped by the cold metal seat. The machine awakens. Putain, mais c'est des zergs, hein, les gars. C'est pas possible autrement. Threads of magic weave themselves tightly around your head. The tadpole squirms and contracts. It's trying to hide. You realize the device is hunting your parasite. But it's doing so blindly. Without direction, your faculties could be permanently damaged. Your skull groans and bends under the pressure. Then, agony. Alors. Oh, oh, ça va, c'est bon. Un fuck. Allez, let's go. Yes. L'oiseau de mauvais augure. Your right temple burns and numbs. On vous a empâté une partie de vous-même. Ouais, casse-toi peut-être. Oh, il va devenir débile. Il va se transformer en poulpe. On va avoir. Non, mais on va avoir un magicien débile. Il y a tes yeux qui commencent à. Alors, restez calme. Recharge parce que le 1 quand même il fait mais mal. Continue, ah non, mais... au pire attends, on recharge non. Après. C'est quoi la fin? Alors, regarde, si tu rates ça, sérieux. The device yearns for the creature, for every part of you tainted by its presence. You will be consumed. The tadpole quivers. Different magic is building within it. This one is ancient. Rotten. No. No more. Oh le 2, let's go. J'aurais mis le 1 pour vraiment voir ce que ça fait si t'arrives à le retirer. Bah ouais. Bah le 2 c'est pas ça. Non, le 2 c'est étudier la magie. Ah. Le mec il est en train de crever, il va étudier de la magie quoi. C'est bien un mage. Ça passe. Merci l'Arasie. Hey, y'a pas de quoi. Into the tadpole's putrid magic. His strength multiplied. It unleashes on the machine. The two forces fuse violently together. Your brain their conduit. Your body and mind drift apart. You are being undone. Enough. Hey. Je savais pas qu'ils avaient installé l'option siège éjectable. Your mind is fractured, but intact. Inside it, the tadpole lives on. Do you feel different? Ah, j'ai hâte de voir qu'est-ce que t'as récupéré comme bonus ou malus. Too close. Qu'est-ce que t'as lucky eu? I was there to save you once. Mais t'as rien. Comment ça t'as rien? Je me suis dehors quelque chose. De personnage, mais j'ai pas l'impression. Ah, tu viens de perdre deux d'intel, ça pue. J'ai perdu quoi? Deux d'intelligence. Attends, je sais plus comment on fait pour le voir. Hein? Ah, ouais, allez, recharge la partie, s'il te plaît. Attends, mais attends, où c'est que tu vois ça? Ah, ouais, intelligence affaiblie. Tu fais tab et après tu vas dans la fiche de caractère de personnage. Intelligence affaiblie. Ah, bah, je pense que oui, parce que j'y ai. Il est devenu complètement con.
Vas-y, recharge, recharge. Peut-être que si vous absorbez d'autres larmes, ça pourrait réparer votre esprit endommagé. Allez, let's go. Non. Tout va bien se passer. Qu'est-ce que... Oh. Allez. Franchement, t'es pas jouasse. Je suis pas joueur. Surtout, genre, l'inté, c'est utile pour une classe. La bah, tienne. Ouais. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. On s'en battait les steaks. Peut-être que si on recommence, ça fera pas un et j'aurai pas de problème. Ouais, bah, de toute façon, à mon avis, tu finiras par être éjecté. Ouais, la finalité semble pas prometteuse non plus quand même. Hein, vu que le machin, ça dit que ça va te lobotomiser la gueule. Moi, je dis ça se tente. Ah, d'accord, il veut retourner. Ça se trouve, il y a une meilleure fin. Il y a peut-être un coup. Attends, je referme la porte. Non, bah, ouais, ça a explosé, mais regarde, moi, j'étais à côté, tout allait très bien. Bah attends, il y a quand même un foutu siège éjectable à ce truc là. Alors attends, je te mets la Allez. Ça va passer, 16. Et la passe première. 1 sur le 2. Search for the parasite's lurking presence. The device searches too. You sense its hunger. Après, peut-être essayer la... pas le 2, mais le 1 du dernier jet. Voir si tu peux te faire extraire l'alarme. Oula. Un peu trop proche, monsieur, là. Faut chatouiller dans le nez, là. Oui, vous aussi, vous avez la machine qui ne fait qu'un avec Horde. Ouais, il fait bisous. Oui, d'accord. C'est du bord. Oh. Allez. Ouais, on arrive à la même chose. Hein. Juste que t'évites de perdre deux intels, quoi. Bah, peut-être que le truc de la fin. Fait plus 2 intels constants. Bonjour. Ah, ce serait bien. Donc là, plutôt que de faire magicien, qui me fait quand même un bon gros bonus en plus, tu veux juste jet de sauvegarde? Ah, je sais pas. Je. Grave. Attends. Allez, on tente. Attends, je vais sauvegarder. Vas-y, sauvegarde. Voilà. J'ai bien aimé le. Ah, ouais, bon, t'as juste. Allez, y'a moyen. Mais je t'ai mis résiste, hein. C'est l'équipe de résistance. Allez! Ça passe! Oh, est-ce qu'il va être soigné? Ça passe en naturel. Ah, je vais crever. Ah, je crois qu'il y a un truc super intéressant sur l'étagère du milieu. Ah non, t'es encore en siège éjectable. La vraie question, c'est est-ce que t'as perdu ces deux antennes ? Your mind is intact, yet unfamiliar. Ah, alors tu es différent, mais tu es différent comment ? T'as pas de... C'est différent, genre t'es différent ou t'es différent. T'as pas de debuff hein, par rapport à tout à l'heure. Alors j'ai pas perdu moins 2, ouais. Mais t'as pas gagné 2. Non, vengeance psionique, c'est ça? De quoi? Il a trouvé un truc, vengeance psionique, c'est pas ça? Non, ça c'est mon diadème, mon bandeau de vengeance psionique. Ah oui. C'est merde, ça va au camp. Non, bah non, j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Bah, je suis déçu, moi je pensais que j'allais au moins avoir un petit truc pour pouvoir tenter la luck, tu vois. Ouais. Ah, mais bon, je vois pas. Le petit truc que t'as eu, c'est que t'es pas mort, c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, vu qu'on a quasiment tué tout le monde dans cet avant-poste, est-ce qu'on pourrait finir de tuer ceux qui restent? Oui, bah j'ai envie d'essayer si l'épée Kitsyanki en étant déguisée en Kitsyanki marche. Parce que c'est vrai que franchement, si c'est le cas, ça peut être très bien. Le truc, c'est il reste qui? Mais il en reste plus que deux là. Ah oui, au centre, c'est vrai. Ouais. Parce que un peu plus que deux, là, j'en vois. J'ai prévu Arda et on n'est pas allé les taper. Ouais. Parce que je pense qu'il y en a un peu plus, j'en vois au moins 3. Attends, laisse-moi voir. Je vais y aller en fufu. Alors attendez, moi je vais faire ça. Non? Non? Vous êtes en combat? Non, pas encore en combat. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ah non, j'ai plus de sort de niveau 3. Par contre, si t'as une... Je peux pas lancer de fireball, je crois. Mais je peux lancer une... Je peux lancer une fireball, il m'en reste un par choc. Ouais, t'inquiète. Parce que je croyais que je l'avais fils. Oh ouais. Attends, je peux balancer une fireball aussi. Ouais, fais-toi plaisir. Attends, on se met à deux, on les balance sur les centres. J'ai l'impression que c'est trop loin. Alors attends, faut que j'avance attendez, un peu plus. Ah, il y a trois jeunes, ça va le faire. Est-ce que vous voulez qu'on lance le tour par tour, comme ça au moins on est sûr d'être tranquille? Ouais. Je suis la nuit. Je suis The Knight. Ouais. Allez, sur le mec du centre, hein. Attends, faut que je cherche mon pare-choix, il est où? 73, 22. Oh, c'est peut-être overkill de leur mettre. Après, si tu les butes tous au moins, y'a pas de problème, hein. Non, après, on va pas pouvoir tous les buter. Parce qu'il y en a sur le côté. Mais je peux prendre les deux jeunes. Les deux jeunes sont sur le côté ici, il faut. Ouais, bah attends, il y en a plus parce qu'il y en a deux à gauche, il y en a quatre au centre et il y en a trois à droite. Je vais balancer une bonne boule de feu bien au centre. Fais-toi plaisir. Je vais essayer de choper ça. On y va à 3. 3. Moi, 2. Je vais balancer un shatter sur les deux qui sont à gauche. 1. Oh, j'ai des bombes. Oh, moi, je sens que je vais balancer une petite bombe. Eh, mais pourquoi je suis en combat, moi? Par contre, comment ça se fait qu'ils ont. Survécu comme des frappadins. Enfin, qu'est-ce qui m'empêche? Il m'a coup de terre. Ah non, je m'en. Ah non, c'est bon. Je suis là. Oh non, The Knight. J'ai fait 20 cm. Après, ils étaient beaucoup, donc c'est vrai que. Oh, on est bien campé là, il faut balancer un bel là-haut. Là, j'en suis sûr et certain. Surpris, ils peuvent pas. On va pouvoir leur en remettre plein la tronche. Oh yes. Moi je m'occupe de ceux de droite là. J'ai un petit cadeau. Qui est la moitié crevé. Ah ouais, attends, s'il y a que ça. Non, c'est bon, j'en ai plus un qui est moitié crevé. Moi je vais m'occuper de là. Ah hey ah, c'est bon. Tenez, prenez ça. Ah, il y a encore un cadavre à qui je peux parler. Ah bah il est mort. Ouais. Quoi? Oh, je les ai pas, je suis. Si tu veux, je peux te envoyer sur les mobs 8 bah, ma foi. Non, mais ça m'embête parce que je voulais essayer l'épée à deux mains, voir si je faisais des dégâts. Donc, si on pouvait juste m'en laisser un, que je puisse faire le test. Bah, écoute, le dernier, il est pour toi. Ah, il en reste deux, hein, il en reste deux. Il en reste trois. Il me laisse le souffre-toi, tu sais, sur une tourne. Il en reste combien? Il en reste deux. il y en a un là, il y en a un autre derrière les, il y en a un autre derrière les rideaux. Hein. On est vraiment des gars dangereux quand même, hein, genre les pauvres gars. Y'a des mecs qui ont passé la porte, ils nous ont calasté 3 spells d'un eux dans la gueule direct. Genre vraiment. Ah, oh, il s'est déplacé, oh, c'est un petit. Ah bah, non, ouais. Ah, c'est bien, il vient vers moi. Attends, vas-y, j'essaie. Attends, je peux te le pousser vers toi. Ah non, mais je peux y aller, hein, tu sais, j'ai des problèmes sur Batman. Attendez, c'est bon, je m'en occupe. Non, mais mon épée, putain. Oh, bon. Ah, bah, je pas laissé l'opportunité de lui. Ah, bah non, je vais essayer sur Kratox, c'est pas grave, hein. T'es prêt? 3, 2, 1, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, merde. Non. Ah, ouais, il y a des dégâts psychiques, donc c'est bon. Ouais, ça marche. Non, mais c'était raté. Ouais, déconne pas, non, c'était la science, c'était pour la science. Ouais, bah t'inquiète, ça aussi c'est pour la science, tu vas voir. Non, vas-y, bah vas-y, hein, vas-y, je suis prêt. Il a sorti sa guitare, quoi. Ouais, c'est ça. Guitar Hero, c'est pas. C'est ça, Guitar Hero. Je vais te faire. Je vais te faire la musique finale de Guitar Hero en 100%. Oui. Il y a pas un gars à qui on pouvait parler qui... Si. Bon. Ici. Ouais, il va me taper quand je suis en train de parler avec le bon. Est-ce que c'est un Guy Sianki ou. Jeune Varl, ouais. Alors. Oh non, mais putain, quel débile. Bon bah désolé, on a plus aid. Bah j'ai retiré aid de ma barre de spell pour mettre parler avec les morts, mais sauf que ça retire le sort en fait. Oh. Allez, je vous parle. Paf. Et quand même les points temps. Mais il était mort déjà quand on est arrivé lui, non? Alors, en tout cas il a l'air de. Ah, on peut continuer.
Faudra te poser la question, qui es-tu ? Si c'est marqué dessus. Mais non, mais tu vois, les possibilités. Ah, adepte du prince légitime. Attends, il est adepte du prince légitime. Ah, what do you think of Orpheus. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils sont pas tous aussi des déconnants, les Gitanki. Minded. Sycophantic. C'est un bon connard. Oh, tu seras pas méchant. Bon, moi c'est gentil. Alors, qui est le vrai prince ? Orpheus. Ouais, je t'avais dit que ceux qui parlaient d'Orpheus, ils allaient te faire se faire taper. Ah, super ! Super ! Le gars, il m'a répondu un mot. Qu'est-ce que tu sais de cet Orpheus ? Lost Prince, son of Gith, forbidden. Oula, ça s'est pas bien passé dans ma tête. Ouais, ça. Tu l'as connu. Son of... Tired of killing. Orpheus. Better way. The spell's power wanes. You can ask. Je retrouve Orpheus, il y a peut-être sur une... Sur cette magnifique interrogation, je pense qu'on peut arrêter l'épisode là. On aura fait encore une belle boucherie. Non. Allez, j'espère que l'épisode vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Des bisous.